bas. En fait, c'est une espèce de voyage vers la mort, un voyage avec tout ce qui va avec les différentes stations vers la mort. Puis tout ce qui est souvenirs, réminiscences, fantômes, puis regrets, abandon, peur, etc. Là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de trucs, puis je pense qu'on s'est bien attardé à ne pas trop l'illustrer, à être trop précis pour laisser aux gens qui vont voir le spectacle un peu leur propre lecture, leur propre interprétation. Une part de symbolique de tout ça, etc. Donc, on veut que les gens passent d'abord un bon moment, on veut que ça soit beau. L'emphase est mise sur la musique et les textes aussi. Même s'il y a une scéno et une mise en scène, on voulait toujours garder les textes et la musique, vu qu'il y a quand même une dizaine de musiciens. Puis on s'est assis avec Antoine Laprise, avec Véronique Bertrand qui fait la scéno. Puis c'était vraiment, on jette des trucs. Puis Antoine a emmené une trame, on a rentré dedans, on a bougé ça. T'sais. Tout s'est fait aussi, on a exploré. Pendant que j'étais en France, Antoine et Véronique ont exploré avec des acteurs qui improvisaient sur les pièces. Donc c'est un mélange de tout ça qui est arrivé à ça à quoi on en est aujourd'hui. Tu dis première mise en scène, ça veut dire que tu as l'idée de le faire évoluer un peu, ça va être un spectacle un peu évolutif? Je sais pas, c'est possible. C'est ça, vu que c'est possible, je me vois bien le faire encore. Il y aurait un trip qui serait d'en faire une tradition, de le ramener à tous les mois de février en plein hiver, puis avoir des mises en scène qui ont une durée de vie, des arrangements, des formules de musiciens aussi. Il n'y a rien qui dit que dans 8 ans, on ne présentera pas le voyage d'hiver à 3 musiciens, puis une table, puis tout est jouable, de la vidéo, on ne sait pas. T'sais. Ce qui est intéressant dans cette première formule, c'est qu'on a réussi à ne pas mettre de vidéo, il n'y a rien de technologique, tout est scénique, tout est mécanique, tout est organique, je dirais. Donc, c'est super cool. Mais pour la suite, on ne sait pas. Tout est jouable, on peut aller radicalement ailleurs. Donc, à suivre. Là, on va se concentrer sur les 4 premiers spectacles, puis on verra pour la suite. Là.